Et bonjour à tous, c'est Méa en compagnie de Réflexion. Salut Réflex. Salut Méa, salut tout le monde. Donc Réflexion va jouer le héros principal. Attends, là, qu'est-ce qui se passe? Déjà c'est bien parce que ayant commencé un peu en solo, là je vois que c'est déjà différent en multi. Bref. Ouais, en fait tu joues le héros principal et moi je jouerai toujours le héros secondaire. Et je peux te tuer si je veux, mais j'ai pas de balles. C'est par là. Bref, donc nous voici sur cette nouvelle aventure sur Dead Space 3. Voilà, comme vous l'avez promis, et moi ça va m'éclater parce qu'il y a plein de monstres et il y a plein de trucs à démembrer. Ça va vous faire bizarre d'ailleurs d'avoir du Dead Space sans Roberto, mais c'est pas grave. Ouais, moi Roberto viendra plus tard sur d'autres jeux, Dead Space étant plus axé action. Et tu cours toi? Bien sûr que je cours. Mais comment t'as fait? Ah ouais, d'accord, j'ai trouvé. C'est le B. T'as jamais joué à la manette ou quoi? Ouais mais non mais j'étais dans le speech et je me suis dit merde comment il court et tout. Normalement on te le dit ici tu vois. Courir, maintenir LB. Ouais. Voilà, moi j'attends qu'on me le dise, je suis poli, hein. Je m'en fous. Donc comme d'habitude une petite session d'une heure, vous savez ce que c'est maintenant, ça veut dire que vous aurez plusieurs épisodes à la suite. Bon c'est toi qui ouvre la porte. Voilà. J'adore ce suiveur. Attends, on va suivre le suiveur. J'adore mon perso. Mais génial ce perso. Rassure-moi, les balles sont partagées. Oui, les balles sont en l'air de partagées. Enfin, ouais, je pense. J'ai rechargé. Allez, on ouvre cette porte. Mais bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, mais vous avez l'air tout mignon. Ah. À vous, par contre, vous allez pas être très beau. Vous êtes déjà moche. Tire, tire. Moi, je prends l'autre. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il est mort. Oh, il est pas encore mort. Non, non. Par terre, toi. Tiens, tiens. Crève. Crève. Tu fais en sorte qu'il soit mort et qu'il m'attaque pas, s'il te plaît. Le truc, c'est qu'ils étaient déjà morts au début. Alors toi, déjà, un, tu te lèves pas. Merci. Voilà, je m'énerve en plus. Ah, on va se couvrir mutuellement les uns les autres, ça va être cool. Putain, il y a plein de munitions, là. Non, tu restes là-dessous. Ah, il a plus de tête, mais il peut toujours bouger. Ah, merde. Ah, mais bordel, mais vous allez vous coucher, oui. Il y en a plus des monstres en multi, quand même, hein. Apparemment, ici, j'ai pu ramasser au moins 30 balles, je sais pas si tu les as eu aussi. Ouais, si, je les ai eu aussi, à mon avis, ils sont partagés. Au revoir, mon ami. Je suis très heureux de te connaître. Non, non, me laisse pas. Chacun sa merde. Non, vous l'avez vu, c'est un duo qui démarre très très bien. J'ai presque plus de vie. Ah ouais, d'accord, ça démarre très très bien, j'ai presque plus de vie. Tais-toi et ouvre la porte. Ouais, toi, ouvre la porte.
Voilà. En attente du partenaire. Voilà, j'ai trouvé le truc, c'est bon, on a le codex. On a le codex. Quoi ce bordel? Ah, mais ils vont se calmer là, 2 secondes. Ah, au revoir, toi. Ah non, tu te tiens aussi. Ouais, je me tiens. Je vois pas ce que je fais, mais je le fais. Oui. Ouais. Mais c'est génial. Bon, allez, vas-y, saute. Vas-y, saute. J'ai le bidule que vous vouliez. Absolument génial. Là, je sais plus sauter. Ah, ça y est. Et hop, on saute. Continue de sauter, chose. Au secours. Ça explose. T'es vachement au-dessus, non? Oui. Attention, oh. Ça arrive. Oh là, oh là, oh là. Oh là, 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 oh là. Eh, mon dieu, mais on fait des trucs bizarres, là. Reste pas au milieu, reste pas au milieu, reste pas au milieu. Oh putain, la roue. Mais si, regarde, c'est mieux, là. Hop là. Ouais, et je passe tranquillou. Ah, j'aime bien, et parce encore que dans, une cinématique, j'ai quand même fait en sorte que dans les cinématiques qu'on voit ton film et pas forcément que le mien. Je me demande s'il va nous exécuter tous les deux. Oups, je spoil. Oh, de toute façon, le début du jeu, ils le connaissent, ils ont vu tellement de let's play. C'était de vaillants soldats jusqu'à la fin. Général Van, chef. Là, c'est le professeur. Earl Serra, toujours aussi optimiste. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Non! Bienvenue dans Dead Space. Ah, mes yeux! On entend ta magnifique tour en fond, c'est assez poétique. Sauf qu'elle sera supprimée au montage. Ah, si j'y arrive. Le temps des hommes touche à sa fin. Nous sommes devenus trop avec ce que l'on ressemble. Les multinationales acquisent l'avion. Lecture, message, point 4. Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute. Fais-le dire. Je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi. Putain, une porte qui s'ouvre. Isaac là, foutez-moi la paix. Répondez-moi. C'est lui. Y'a que moi qui entends pas leur voix. J'entends leur voix, mais très faiblement. Mais j'ai mis les sous-titres hein, pour être. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. Forcez la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non. J'en ai ma claque. Allez vous trouver un autre suicidaire pour votre mission. Déjà fait, juste avant de perdre le foutage. Elle a parlé. J'adore cette réplique. Allez-vous vous trouver un autre suicidaire pour votre mission déjà fait. Mais si cela vous a fait
Ah, c'est dommage, les voix ici, elles sont épiques. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrais pas la retrouver sans vous. Ok. Puis maintenant que j'y pense, Méa, il l'a pas exécuté, hein. Ah, mais je suis censé être mort dans le... Ah, je suis tout seul dans mon dans ma partie, je sais pas toi. Ouais, moi aussi. C'est assez moche, ça, par contre. C'est pas grave. Ah non, c'est bon, je te vois. Ah d'accord, c'était le temps qu'on vienne ici, ok. Vous voyez les voix absolument épiques. On a raté ça dans la cinématique, quoi. Oui, je m'énerve. Moi aussi. Tais-toi. T'as pas envie d'appuyer sur le bouton? Regarde là, il faut ta main là, clique. Et clique. Non mais bah, pousse-toi. Non, c'est lui qui doit mettre appuyé sur le bouton. Mais je sais bien, c'est pour ça que je lui dis de cliquer. Direct à couvert, hein. Je me trompe toujours de touche. Bon, c'est pas grave. Je t'ai eu dans la tête. Headshot. J'ai un militaire, moi, ok. Vite, la voiture. Ah, ça explose. Oh. Et voici l'endroit où on ne voulait pas être. J'adore le petit connexion interrompue que je vois à chaque fois. Ouais, c'est quand on repasse en... en solo, à mon avis. Ouais. Bien, maintenant que j'ai récupéré mes munitions... Mais je sais pas viser. Voilà, au revoir, mon ami. Qui d'autre veut se faire écraser la tronche? Quoi, fais ton malin, toi? Allez, par terre. Ouais, toi aussi, tu veux jouer avec moi? Tiens, headshot. Bon, bah, c'est réflexion qui tuera les ennemis. Chacun son tour. Oh, lui, merde, il faut le tuer. Ah! Voilà, c'est bon. Il est mort. Tiens! Trou du cul! Et encore un pour la peine! Espèce de... Tellement épique. Alors ici, y a rien à récupérer par hasard, parce que ça me met à récupérer des munitions un peu illimitées. Apparemment non, on va être obligé de monter. Avec notre jauge de vie qui est dans le dos, hein. S'il y en a qui se demandent où elle est évidemment dans le dos. Ouais, pour ceux qui connaissent pas Dead Space, y a pas de jauge de vie hormis dans le dos, et y a vraiment pas de HUD en fait. Oh! Allez, des casiers! Ah, juste, j'avais oublié les casiers. On peut les ouvrir, non? Ouais, on peut les ouvrir, mais il faut attendre qu'ils ferment leur gueule. Tais-toi, si... mec! Voilà. Et sinon. Merde! Ah! Ah là, il y a de la vie là, hop. Ah ouais, c'est pas ceux-là qu'on peut ouvrir en fait. Et là, il y a un truc pour bricoler nos armes, mais ça, on verra peut-être plus tard. C'est ceux-là, ouais. Bon, je vais peut-être récupérer ma vie, puisque toi tu l'as fait et pas moi. D'ailleurs, ouais. On n'a pas la même couleur de jauge de vie, t'as vu? Ouais, je sais, bah c'est pour... Moi je suis un militaire trop surentraîné et toi t'es une merde. Quoi? Bon, ok. Coucou, je suis là. Je suppose que c'est moi qui cherchais. Tiens, headshot. On révèle pas tout le scénario quand même, hein. Déjà que t'as révélé une exécution qui était magistrale. Rêve. Voilà. De toute façon, je connais pas grand chose. J'avais fait que 20 minutes du jeu histoire de prendre les commandes entre les mains. L'anomodule de stase. Ralentissons le trafic pour traverser. Comment on fait pour ralentir déjà? Ah ouais. Wouah! Wouah! Accident! Violence!
c'était pas moi. Là, par contre, j'ai pas fait exprès. Ah putain, tu vas me dire qu'il faut tout le temps que tu montes en premier aux échelles. Bien sûr. Toi, t'es le Marines, moi, je suis l'héros. Headshot et headshot. Vas-y, on perd pas de temps avec. Ah, il y a une caisse. Ah, ici, il y a des trucs qui s'ouvrent. Il y a une caisse là, et puis il y avait un module de stase. Ah bah ça peut être intéressant alors. Bah ouais. Voilà. Quoi, il y en a encore un? Comment ça t'as loupé? Bah crève. Voilà. J'adore leur découper la tête. Viens avec moi, viens avec moi. Ça c'était juste pour le plaisir. Celui-là aussi. Je lui ai coupé le bras du coup. Non mais le plaisir il va venir, t'en fais pas. Le v'là le plaisir, bonjour. Bonjour les amis, vous avez l'air très habillés. Le temps des hommes touche à sa fin. C'est ton temps qui touche à sa fin, mec. Là, il y avait quelque chose. C'est parfait, il y a plein de trucs à récupérer ici. Ouais, il y a plus de munitions déjà. Quoi, eh ben dis donc, t'as eu une bonne finish, toi. Quoi? Ah oui, tu es beau. Avec une affiche sur le... Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait cliquer aussi. Donc ouais, je disais au début, on va faire une heure et vous aurez des fondus noirs à la fin. Et peut-être des... bientôt dans l'épisode suivant.